Et bonjour tout le monde, et voici le dernier épisode spécial sans doute concernant les salles secrètes. Car donc j'ai fouillé tout le début du jeu, j'étais passé donc au-dessus de cette pièce. Vous voyez avec le scram, on voit les parties du corps, comme la boucherie sur les vaches. Voilà, et j'ai découvert qu'il y avait une trappe secrète juste là, voilà. Donc du coup, mes chers amis, mes chers viewers, avec cette dernière trappe et cette dernière salle secrète, eh bien, je pense que là, du coup, le compte est bon. Toutes les salles secrètes du premier chapitre de Rupture Farm auront été découvertes, voilà. Donc on va aller explorer tout de suite. Voilà, je rappelle pour ceux qui qui reste la huitième victime, celle qui s'était prise du reste sur la tête, donc ce sera fait, sera respecté. Alors, on respecte la chronologie, mais on respecte quand même. Donc il y aura bien 8 victimes, et puis voilà, donc les salles secrètes donc, que je vais refaire off, mais qui ont déjà été montrées en vidéo avant, que je vais faire, bah, on devrait être 62 évadés. Donc voilà, on est dans les clous et puis bah on se retrouve très bientôt mes chers amis, allez, à très vite. Et voilà, reprise donc notre let's play là où il s'était arrêté en fait, où il aurait dû s'arrêter avant que les bugs surviennent. Donc bah on va continuer donc cette aventure, les salles secrètes ont été révélées, voilà, avec quelques petits heure quand même, je dois le dire, j'ai pas réussi à sauver tout le monde. Mais voilà, en tout cas il fallait les découvrir. Apparemment, donc d'après Crony, on serait susceptible de devoir retourner dans ces salles plus tard. Donc à voir, c'est assez intriguant. Peut-être qu'il y aura encore d'autres choses à faire à Rupture Farms à la fin du jeu. Oui, parce qu'il faut savoir que je l'avais pas fini, l'Odyssée d'Aïd. J'avais dû m'arrêter à la fin.
Et je sais plus pourquoi je l'avais pas fini. Hop. Alors, bon, bah cette fois, je peux m'évader. Saloperie de Scrab. Vous avez vu ces bestioles, ça a pas l'air très très gentil comme ça. Et je vous confirme, ça l'est pas. Ah ouais, donc nous voilà sortis de l'usine. Ah, il y a un bot là. Alors il y a des mines en bas. Là, il y a un petit robot là que vous voyez juste au-dessus de ma tête. Qui empêche normalement, voilà, la plus de faire son pouvoir possession. Il va falloir que je fasse péter le truc. Alors là, il y a des lasers, il me semble que. Bon, d'accord, il est mort. Est-ce que je peux contrôler du coup? Et j'ai plus de... D'accord, bah non, en fait j'ai plus de grenades. J'ai plus que des cailloux. Ah, du coup c'est embêtant ça. Là je crois qu'il faut pas bouger. Ça détecte juste le mouvement. Alors, inutile de vous préciser, mais bon, je le fais quand même, que si je me retrouve face à cette bestiole en bas, je vais me faire écrabouiller, piétiner et dévorer et j'en passe. Hop, je vais aller voir là-bas. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Alors ça a pas mal changé quand même avec cette nouvelle version. Qu'est-ce que je peux faire là? Je peux les contrôler. Non. Non, parce que je crois qu'en fait, d'après mes souvenirs, contrôler un Scrab ou un Paramite par exemple, c'est un pouvoir qu'on acquiert mais plus tard. Je crois qu'on va rencontrer quelqu'un qui va nous aider à développer notre pouvoir. Alors je suis peut-être en train d'inventer, mais il me semblait que c'était ça. Et grâce en fait au développement du pouvoir, on va pouvoir accéder donc à d'autres corps, notamment donc ceux des Scrabs. Et là actuellement je crois que je ne peux pas. Alors, pourquoi par contre je peux aller là, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à découvrir? Je vois rien. Hello. Ah oui, je sais comment péter maintenant. Oui, d'accord. Ah, salle secrète. Oh putain, oui, salle secrète. Je suis retour dans l'usine. Oh oh oh. Et là, barre-toi. Oh, il charge le salaud, il charge. Ah bah là, c'est bon, il viendra pas. Employé. Oh putain, s'il saute! Oh, il est con. Est-ce qu'il reste quand même encore 228 employés? Donc j'en ai pas terminé. En gros, là je cours et je m'arrête pas. Du calme, tout doux, mon gentil, tout doux. Saloperie. Viens ici. Allez, cours.
oh, 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 merde. Bon. C'est pas encore ça. Salopio. Course au scrap. Merde. Ah d'accord, j'ai compris. Il va falloir que je leur dise salut, salut. Suis-moi, il va falloir qu'ils courent. Et puis de là, après, comme j'ai enlevé l'éclair, je pourrais les faire aller dans le portail. Alors par contre là, il y a un petit truc qui m'embête, c'est que du coup, il m'a pas suivi. Voilà. Hop. Oh putain. Merde. Bien joué. Alors par contre, il va falloir qu'il revienne notre ami, parce que sinon je suis pas dans la merde. Je vais droit à la mort. Ouais. Pas follow me. Ok. Ok. Mais follow me, mais attendez quand même. Il est où l'autre? Wouah! Ben voilà. Ah ben. Ah, j'étais pas mort. Ah! Bon, allez, cette fois, ce sera la bonne. Barre-toi. J'aurais peut-être eu l'occasion en fait de le faire d'un coup. Ah bah ben non, il serait mort. Mes amis seraient morts. Alors par contre, il me suit pas jusqu'au bout ce con. Ça c'est embêtant. Ah. En fait, faut pas aller trop vite non plus, quoi. Allez, viens. Et voilà, j'ai mal sauté.